C'est la 15e fois qu'on le fait, donc les gens commencent à connaître et reviennent régulièrement. Donc je pense que ça fait partie de l'accueil qu'on leur réserve et également des exposants qui sont là. Je ne choisis que des gens qui travaillent directement de leurs mains, jamais de revendeurs. Le bouche à oreille, des copains, c'est un esprit très, très famille, très copain. En fait, c'est pour montrer au grand public ce qu'on fait au quotidien, les efforts que l'on peut faire tant sur l'élevage que sur les cultures au sein de la ferme par rapport à tout ce qui est environnement. Il est vrai qu'aujourd'hui, le respect de l'environnement, c'est quelque chose qui est très important, qui nous tient à cœur. Et je pense qu'au quotidien, malgré que les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours.